Are we singing? Rock La Cause 2019, c'est un spectacle rock, punk, rock, ska, metal, vraiment d'envergure au Centre du Québec. C'est une jeune équipe qui a parti ça pour qu'il se passe quelque chose de majeur à Victoriaville, alors qu'il n'y avait rien en ce sens là, dans le passé. C'est des festivaliers qui sont venus de partout au Québec en 2018 et en 2019, qui sont venus d'Ontario, des États-Unis et même de France. 20% seulement étaient de Victoriaville. On s'attend à ce que de plus en plus les gens de Victo s'accaparent de ce festival-là et soient de plus en plus nombreux. C'est des gens qui sont venus profiter des food trucks qui, eux aussi, viennent de partout, offrant une bouffe vraiment diversifiée et variée pour le plus grand plaisir des festivaliers qui ont un trip bouffe. Après mon corps, après mes yeux, la mort entre les deux. Victor! Comment ça va? Vous avez une expertise spéciale, vous avez le goût de vous impliquer, vous tripez sur le projet. Écrivez-nous sur notre page Facebook pour faire partie de l'équipe. On en a besoin. La cause 2019, c'est plus de 17 000 $ en dons qui ont été remis à l'organisme Répit Jeunesse, qui aide les jeunes un peu en détresse, les jeunes qui cherchent une solution pour revenir sur le droit chemin, finir leurs études, passer à travers des moments difficiles. Répit Jeunesse vont se servir du 17 000 pour rénover leur local à Victoriaville afin de mieux accueillir les jeunes. Une salle d'activité, peut-être un mur d'escalade, où est-ce que les jeunes vont se sentir vraiment chez eux puis vont être contents d'être là. Yeah. Rock La Cause 2019, ça a été aussi un gros travail des commanditaires, autant en échange de services qu'en argent, parce que ça prend les deux. Je pense par exemple à Amel et Amel qui sont venus brancher l'électricité du site de Rock La Cause.
ça a été beaucoup plus d'ouvrages qu'il avait anticipé parce que Rock La Cause 2019 était beaucoup plus gros que le 2018. Mais ils l'ont fait pareil avec le sourire, puis ils nous ont confirmé qu'ils seraient là pour l'année prochaine, pour 2020, comme la plupart de tous nos commanditaires. Puis ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur. La cause, c'est un travail d'équipe, car on est une grande famille qui travaille toute l'année pour que le projet fonctionne. Malgré que nous sommes un petit CA, on était seulement 7 personnes en 2019 et 5 personnes seulement pour monter celui de 2020, on est 3 à travailler à temps plein sur le projet, en plus de nos occupations professionnelles, mais on se sert beaucoup des idées de notre équipe, des idées de la famille. On a un lac à l'épaule où est-ce qu'on se réunit toute la gang ensemble, on se fait du fun, on travaille fort, mais les idées, elles, nous servent pendant toute l'année. Pour 2020, la troisième édition de Rock La Cause se promet d'être grandiose. Retour aux sources avec 2 jours de punk rock, ska et metal. Le camping est de retour, donc bel endroit qu'on avait au camping Valchester. Les services de navette aussi de retour. Rock La Cause, c'est une expérience de concert intime. Le parc Terre des Jeunes contient seulement 10 000 places. Les têtes d'affiche qu'on vous présente, vous avez la chance de les voir de façon rapprochée. C'est vraiment une expérience différente des très gros festivals dans les grandes villes. Le parc Terre des Jeunes est fait sous la forme d'un bel agora naturel. Donc, peu importe où vous êtes sur le site, vous avez une vue imprenable sur la scène, les couleurs et surtout les milliers de watts de son qui vous en mettent plein les oreilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Les enfants n'ont pas été oubliés. Dans la zone Kid, il y avait des jeux gonflables, des mascottes. Certains ont aperçu même les 2 Spider-Man. On les a maquillés, on les a déguisés en petits rockers, en punk rockers. Certains guitaristes en herbe ont pratiqué leur solo à Guitar Hero. D'autres ont fait du skateboard pour la première fois sur la petite rampe prévue à cet effet. Certains ont exercé aussi leur graffiti sur le mur qu'on avait prévu pour eux. Ça, c'est bon pour les parents parce que plus tard, c'est eux, vos enfants, qui vont vous traîner à Rock La Cause et qui vont dire « Papa, maman, vous m'avez vraiment donné le goût. À soir, je vous sors, on va voir un show. » Les billets sont déjà en vente actuellement. C'est un système de vagues pour l'année 2020 qui est en vigueur et ça va vite. Les prix sont vraiment le plus bas possible puis ça augmente de vague en vague. Alors, premier arrivé, premier servi.
pouvez déjà vous procurer vos billets avant-scène pour une expérience améliorée. Et la Grande Loge sera aussi de retour en 2020, qui, elle, est l'expérience ultime. Tout seul, je suis pas mourir de honte. Mon petit mec sur le seuil, compter les corps qui tombent. Je veux pas rester tout seul. On est à la recherche de d'autres commanditaires parce que Rock La Cause 2020 va être vraiment plus gros encore que le 2019. Je remercie au passage la ville de Victoriaville qui est là depuis le début. Sans elle, rien de tout ça ne serait possible. Merci de nous suivre. Vous êtes nombreux à nous suivre sur notre Facebook et notre Instagram. Pour plus de nouvelles, dans les prochaines semaines, on va vous annoncer notre cause de l'année 2020 et surtout les bands qui vont faire partie de la programmation. On a des grosses annonces pour vous. On est fébrile, on a très hâte de vous les annoncer. Puis ceux qui ont acheté leur billet en spécial à 39$, vous allez être morts de rire quand vous allez voir ce qu'on va vous annoncer. À suivre!